Bonjour les amis, je sais, certains vont voir une contradiction dans le fait que j'ai appelé dans une récente vidéo au boycott de l'Euro 2021 et que malgré tout je vais vous parler du match de ce soir, donc France-Suisse, les huitièmes de finale et vous expliquer les 5 raisons pour lesquelles je souhaite la défaite de l'équipe de France. Alors d'abord, préciser que je ne suis pas systématiquement un anti-français, que par exemple en 1998, je m'étais réjoui très franchement que l'équipe de France soit championne du monde. J'avais passé une partie de la soirée après le travail, je travaillais le dimanche, j'avais passé une partie de la soirée aux Champs-Élysées et tout. J'étais rentré au petit matin, le soir, il y avait franchement une ambiance extraordinaire. J'avais découvert à cette occasion l'importance du drapeau et tout, j'ai mis le temps, vous voyez, mais ça a été un événement important. Donc j'étais content, vous voyez, par contre, je vais vous dire, en 2010, quand l'équipe de France des racailles de Domenech s'est ridiculisée en Afrique du Sud en faisant la fameuse grève du bus et qu'ils se sont fait virer au premier tour, j'étais ravi parce que pour moi, cette équipe de France n'était pas la France, c'était une équipe d'islamo-racailles, c'était un scandale que le sélectionneur ait pu mettre sur pied une équipe pareille, le sélectionneur Domenech, et très franchement, je me réjouissais de cette défaite. Je me rappelle ce soir-là, j'étais dans un restaurant, c'était le match du Mexique, et très franchement, les Français qui étaient là étaient ravis. Je me souviens, quand le deuxième but avait été marqué, les mecs, ils scandaient « Mexico, Mexico ». Donc vous voyez que personne ne se reconnaissait dans cette équipe de France. De même que quand le Paris Saint-Germain perd, je considère que le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe française, que c'est le fric du Qatar, et je considérerais que ça serait un très mauvais message pour la France et pour le football, qu'à cause des Qataris qui, par ailleurs, on le sait tous, rachètent la France et financent le terrorisme et arrosent toute la classe politique française. Il n'y a pas une Bernard-Henri Lévy dont le nom a été cité. Il y en a plein d'autres qui viennent passer des petits week-ends à Doha, donc je pense que ça ne serait pas un bon message. Et chaque fois que le Paris Saint-Germain se fait éliminer de la Coupe d'Europe, c'est pour moi du plaisir. Alors je vais vous dire, en 2018, j'étais plus circonspect, vous voyez, parce que je trouvais justement que Deschamps avait redonné une âme à cette équipe. Certes, je n'ai bien, c'était pas des racailles, ils étaient corrects, ils chantaient tous la Marseillaise, il n'y avait pas Benzema, ils chantaient tous la Marseillaise. Bon, ils ne la chantaient pas comme nos rugbyman, comme nos handballeurs, bon, ils la chantaient pas à plein poumon, faut pas exagérer non plus, mais enfin, ils la chantaient, ils faisaient le boulot, quoi. Bon, et c'est vrai que lors de la finale, je me rappelle, je l'avais vu dans un petit bar, France-Croatie. Au niveau football, je préférais le football des Croates, qui était plus offensif. On va dire que la Croatie correspondait un peu plus au côté civilisationnel qui est le mien. Mais par ailleurs, ben, il y avait quand même ce côté. Les mecs avaient été formés dans des clubs français. C'était quand même un petit peu un savoir-faire français avec des entraîneurs français. Vous voyez, j'étais... Finalement, je me rendais compte que quand les Français marquaient un but, j'étais content, quoi. Vous voyez, on a le droit d'avoir nos contradictions. Et j'assume celle-là. Et là, alors là, par contre, cette équipe-là, là, je ne sais pas ce qui se passe avec Deschamps, je ne sais pas c'est quoi ce bordel depuis quelque temps, mais je ne reconnais plus l'état d'esprit qui était celui de Deschamps. Et c'était clair que moi, j'avais apprécié que Deschamps vire Benzema, je ne l'ai jamais caché, que je suis un admirateur d'Olivier Giroud et les faits, les chiffres donnent raison. C'est-à-dire que depuis que Benzema n'est plus dans cette équipe de France, il y avait un esprit, les mecs chantaient tous la Marseillaise, Olivier Giroud est devenu le deuxième buteur de tous les temps, je veux dire, il y avait un esprit, quoi, et franchement, j'aimais bien. Alors Deschamps se faisait traiter de raciste, il y avait régulièrement tous les journaleux qui faisaient des campagnes en disant que Benzema, c'est un scandale, le monde entier nous l'enviait, le journaliste de l'équipe, surtout. Deschamps paraissait tenir le cap, et puis là, je sais pas ce qui se passe, c'est le bordel. C'est-à-dire que il n'y a plus finalement le côté on est des footballeurs, on fait que du football et on chante la Marseillaise et le reste on ferme notre gueule, c'est tout ce qu'on leur demande. Alors là, déjà Deschamps qui rappelle Benzema, je comprends pas, et le coup de l'hymne des Bleus de Youssoufa là, alors avec le numéro de faux cul de Le Graët qui met une semaine à dire ah bah moi j'étais pas au courant, c'est mon service de com, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. Donc déjà le retour de Benzema,
Déjà, hein, le Youssoufa, je trouve que c'était deux messages suffisamment graves pour que moi, déjà, à partir du moment où Benzema rejoue alors que Giroud a toujours été exemplaire et surtout très efficace dans l'équipe de France, même s'il ne plaît pas parce que trop gaulois, trop blanc, des tatouages catholiques sur les avant-bras, tout ça, je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo sur le rendement en équipe de France. Je ne dis pas en club, hein, Benzema a un palmarès en équipe de France, l'amour du maillot et tout, il n'y a pas photo. Quoi. Donc déjà ça, alors le Youssoufa, là, un mec qui a insulté Marine, qui a menacé de mort Zemmour, et qui a multiplié les insultes contre la France, je veux dire, qu'est-ce que tu fous? Enfin, comment on peut choisir un truc comme ça? Donc, et puis alors après, ça s'est aggravé. Voilà qu'ils ont annoncé, ces crétins, qu'ils allaient mettre un genou à terre contre les casques à pointe, et c'est un coup de bol, c'est que les casques à pointe se sont déballonnés au dernier moment, et donc les Français ont pas devant l'ampleur des protestations, finalement, ils n'ont pas mis de genoux à terre. Et puis moi, ce qui me scandalise, c'est les passe-droits de Benzema. Je veux dire, on sent que tout est fait pour le mettre en valeur. Par exemple, les pénaltys, quand c'était pas Giroud, c'était Griezmann qui les tirait. Là, on les fait tirer à Benzema, comme s'il s'agissait de montrer à quel point son apport est indispensable. Un match amical, il loupe son péno. Et là, contre le Portugal, c'est à nouveau lui qui tire. Bon, à force, faut bien qu'il en mette un. Au bout de 5 matchs, il met un but, quoi, quand même. Il en a mis un deuxième contre le Portugal. Tout le monde se tait sur le fait que Giroud, en une mi-temps, il a mis 2 buts. Mais là, tout le monde se tait. Vous voyez, il n'y en a que pour Benzema. Donc ça, ça ne me plaît pas du tout. Et puis, le dernier truc, c'est Pogba. Alors là, Pogba, super joueur, hein, grand joueur au niveau du talent et tout, il n'y a rien à dire. Mais c'est un meuse. Même s'il se prénomme Paul, c'est un meuse et un meuse militant, quoi. Le mec, on le voit, Angela là-bas, il a fait son pèlerinage à la mec. Un véritable scandale dans le championnat anglais quand le Hamas allumait Israël avec des milliers de roquettes. Le mec a fait un tour d'honneur avec un autre meuse dans un championnat anglais, tour d'honneur du stade avec le drapeau palestinien. Enfin, personne dit rien. Vous imaginez un mec qui fait un tour d'honneur avec le drapeau israélien, comment ça hurlerait? Je veux dire, tout le monde dirait que c'est du sionisme et tout. Là, le mec, personne le sanctionne. Et donc, il y a l'épisode, le fameux épisode de la bière. Alors le mec fait une conférence de presse, il y a une Henken à 0% devant, le mec il pousse la Henken. Déjà, premier truc, un scandale. Bon, alors c'est des hommes sandwich et tout, mais enfin il y a de la pub qui est payée, c'est ça qui paye les joueurs aussi, quoi. Donc le mec il se permet de donner un interdit musulman, c'est-à-dire comme si une bière c'était haram. Et le pire, c'est que les collabos de l'UEFA, ceux qui ont failli déjà plier contre le lobby, sur le lobby LGBT, où on était prêt à illuminer le stade de Munich pour faire chier les Hongrois. Hein, j'aurais bien aimé que les Allemands soient éliminés, d'ailleurs, parenthèse. Donc, bon, bah là, les mecs de l'UEFA donc, se couchent et dorénavant, quand les joueurs musulmans seront en conférence de presse, on met plus de bière. Mais qu'est-ce que c'est que ce football? Qu'est-ce que c'est que cette instrumentalisation du sport? Et je suis obligé de voir que dans l'islamisation du football, dans toutes les requêtes communautaristes, l'équipe de France est fer de lance. Donc, le retour de Benzema, Youssoufa, le coup du genou à terre, l'éviction de Giroud et le cinéma de Pogba, voilà 5 raisons pour lesquelles je souhaite la défaite de l'équipe de France, même si je sais que sur le papier, normalement, ça doit passer. Bonne journée, les amis.